l'air triste un peu, non? Denise de Longchamp, la chef. Pas chanceux, elle connaît pas. De Longchamp, tu dis, ouais, c'est ça. Non, je me fous aussi. Je me fous pas, Paul Pantou. Regarde. Elle est belle là-bas. Hey, Mélanie, comment ça va? Soixante. Denise de Longchamp? Ouais. Bertrand Fournel, journaliste. Je sais, ouais. Je me suis laissé dire que toi puis lui, vous vous étiez fréquenté longtemps. T'as rien à dire. François Gagnon, alias François Pelletier, un agent double. J'ai pas le temps de te parler. Terry O'Neill, tu connais ça? Ce qu'il me veut, lui. Il m'a appelé pour me dire que François Gagnon, c'était François Pelletier, un agent double. Puis que c'était ton ancien chum. Terry O'Neill. Il se raconte des histoires, mais il est cruel. Tu travaillais pas pour la sûreté avant? Mes affaires, ça te regardait pas. Qu'est-ce que tu cherches, là? Tu bossais de la merde? Hein? T'as pas mal de gagner ta vie en fuyant dans la vie privée du monde? Si tu veux des renseignements, appelle la sûreté, ils vont t'en donner. Excuse-moi, je suis pressée. T'en reviens pas, mais tu vas à la tête. Il a pas l'air d'un chanteur. Il a l'air d'une moufette. Les Ronnie Dante, là. Il faisait quoi, là, lui? Là? Ah, il était avec Guy Lalonde, lui. Les Italiens puis les moteurs magouillent peut-être ensemble chez Bonheur. Ça me surprendrait. Ben voyons donc, si mon gars, ça travaille ensemble. Oui, mais ça partage pas. Non, ça partage pas. Les Italiens, ils font un coup puis ils partagent des recettes jusqu'en haut de la pyramide. Les messengers, eux autres, c'est chacun pour soi. Le gars, il fait son affaire, il doit rien à personne. Ouais. Mais ça veut dire quoi, tout ça, là? Ça veut dire que si c'est un gars des messes qui a des intérêts chez Bonheur, il va pas partager avec un membre de la mafia, certain. Ben, tu vois, quand tu prends le temps d'expliquer, c'est clair. En attendant, j'ai sorti les renseignements que tu m'as demandé. Les entreprises Bonheur, c'est une dizaine de corporations réparties à travers le monde. Difficile de savoir exactement ce qu'ils font ou dans quel domaine ils opèrent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en principe, ces corporations-là appartiennent à Bonheur. Il me reste à éplucher la liste des administrateurs. Ouais. C'est bien beau tout ça, là, mais ça me dit pas pourquoi ce serait un Italien qui aurait tiré sur Jean-Yves. Non. Un moteur, OK, là, mais l'impression qu'on cherche pas à bonne place. Tiens, un revenant. Où est-ce que t'étais? Tenez vos biens. L'Italien qui a tiré sur Jean-Yves, Jimmy Orina, c'est pas son vrai nom. Voyons donc, toi. J'ai appelé l'état civil. Jimmy Orina, ça n'existe pas. T'es sûr que ce gars-là s'appelle pas Orina? Absolument. C'est pas le premier mafioso qui prend un pseudonyme? On perd un agent double qui se fait tirer par un Italien qui porte pas le bon nom, puis qui se tient avec un gars associé avec les moteurs. Ça va bien. Hey, toi, Georges, là, ta maudite gomme m'a te la collé dans le front. Y a-t-il une place dans la convention collective où c'est écrit qu'un gars peut pas marcher de la gomme? Là, comprends-tu, t'as mon Sylvain, il est sous-mort, il est couché dans le fond d'un caisse au haut-parleur. Pis t'as mon Gilles, qui ferme le caisse pis qui dit au gars, « Lourdez-moi ça dans le truck. » Ah oui, elle chope dans le truck. On part vous, Sylvain, de la nuit, ici. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi on rush tant que ça pour changer de ville après les shows? Guy doit avoir ses raisons. Il n'y en a pas, c'est ça le pire. On est en tournée, on fait une représentation, on est crevé, puis là, il faut qu'on se tape 2-3 heures. On se croirait dans un club de hockey, franchement. C'est à cause du matériel, Lynn. Il faut nous donner le temps de monter le matériel. Puis à part ça, comment ça se fait qu'une fois sur deux, quand on a besoin de l'avion, il n'est pas disponible? Pourquoi il n'est pas disponible, l'avion?
On a une urgence, le pilote n'est pas là, ils font des essais, il y a un bruit mécanique. Toujours une bonne raison. Hein? Hey, Rick! Faudrait que je check ça. Ouais, tu t'en mêles un peu. You. OK, les boys, on ramasse tout pour qu'on débarrasse. Hey, come on! Hey, Pat, sors tout de suite. Qu'est-ce qu'il est allé te voir? À midi. Y avait-tu l'air de savoir ce que François faisait en dedans? Je pourrais pas dire, mais hey, avertis-le, toi aussi, fallait que Fournel publie ça. Je m'en occupe. Salut. Denise vient de m'appeler. Denise? Deslongchamps, l'ex de François. Ah oui, oui, oui. Fournel commence à fouiller, il sait que François est un double. Ah, il faut le sortir de là. Ah, attends, là, pas de panique, là. Je connais assez Fournel pour savoir qu'il me brûlera pas un double sans m'en parler. Ouais, moi aussi, je le connais. Je l'ai fait venir dans mon bureau. Sans mettre le monde dans mort, hein? Dans un plus italien, il pique, c'est ça? Non, en plus, hein? Tu faisais quoi avec 15 000 piastres dans le char? Il y en a qui disent que t'as vendu ce mort aux Italiens pour 15 000. Non, t'as pas fait ça, hein? Tu fais jamais rien, toi. Ça serait peut-être temps que tu commences à jaser un peu. Il y en a qui cherchent des réponses, le pique! Je veux rien me dire! OK, OK, les gars. Les gars! Faites de l'air un peu. Coup de belle paix. Si tu penses que tu t'es fait bronzer, attends de voir ce qui va t'arriver si tu réponds aux questions qu'on te pose. Pourquoi que le monde m'en veut, hein? Je ferme ma gueule, je pogne mon trou. C'est quoi l'affaire du 15 000? Il voulait que j'arrange une rencontre avec Simon. Il m'a pas dit pourquoi. Je savais pour qui voulait le passer. Comment? Ouais, je vais te voir parce que je trouve que ça grenouille pas mal autour depuis l'histoire de Jean-Yves. Dans quel sens? Dans quel sens? La sûreté a interrogé mon entourage au complet. J'ai su ça, ouais. Toi, ils sont allés te voir? Je pense que j'étais le premier sur la liste. Toi aussi, ils sont venus te rencontrer. Ouais, sauf que moi, j'avais pas grand-chose à dire. Tout ce que je fais, c'est chanter, comprends-tu? Sauf que toi, c'est pas pareil. T'as ta gang derrière toi, pis ça fatigue bien du monde, OK? Toi, ça te fatigue-tu? Il arrive quelque chose à l'entourage de Bernard, c'est pas ton nom qui barbouille, c'est le mien. N'inquiète pas, mon Rick. Tant que je serai avec toi, il t'arrivera rien, ça je te garantis. OK. La dernière chose que je te souhaite, c'est de me voir disparaître de ton environnement. Sais-tu, je pense que t'en sais plus que t'en dis sur l'histoire de Jean-Yves. Une chose que j'ai appris de mon père, c'est de mêler de mes calices d'affaires. Tout ce que je sais, c'est que j'ai rien à voir là-dedans. Rick! Rick, je peux te parler deux minutes? À toi, tu décolles. Gilles Boisclair, ton nom? Hey, c'est pas pour tes affaires, puis bouge avant que je te tasse. Vous répondez quoi à ceux qui prétendent que vous êtes un représentant des messengers auprès de Rick Bonnard? Tasse-toi! OK, OK. Tu prends des chances, Boisclair, ça peut te coûter cher, ça. C'est toi qui prends une maudite chance. Je joue pas avec mes nerfs, Fournel, parce que tu vas leur crêter. Tasse-toi!
Christ. Non, lui, c'est pas ses affaires. Hey. Ton gars, le pic, ils ont mis un double d'impact pour le faire parler. François Gagnon. Gagnon, un double? Tu connais? Je connais certains. Ça n'est pas mal avec Perrault. Roger, es-tu au courant? Non, pas croire. Faut l'avertir. Si jamais le pic décide de nous mettre l'affaire de Simard sur le dos, on va commencer à sentir la pression. Le pic, lui? On le passe. Gagnon? Ils sont malades de l'avoir envoyé là. Un accident en prison, c'est bien vite arrivé. Le pic. Ça va, j'en ai mangé, une octobre. Moi, je commence à penser qu'il sait absolument rien, ce gars-là. Il va parler, ça va. Il faut pas trop pousser, hein. Écoute, Roger, là, tu l'as brassé, tu as sacré une volée, puis il a pas parlé. S'il avait eu quelque chose à dire, il l'aurait dit. Surtout à toi, t'es son idole. Ah, avec le pic, c'est toujours long. Ouais, ben là, soit qu'il te fait pas confiance, soit qu'il a rien à dire. Dans les deux cas, moi, je perds mon temps que toi. Hey. Écoute bien, Gagnon, là. Si on met trop de pression, il va nous voir venir à 100 000 à l'heure. Mais que si tu veux que ça me passe à moi qu'il nous voit venir? S'il y a quelque chose à dire, qu'il le dise. Sinon, qu'il paye pour ce qu'il a fait, puis c'est tout. En tout cas, ça prendra le temps que ça vaudra. Il y a assez pour dire que j'ai les Italiens sur le dos, là. Comment ça, les Italiens? Ah, laisse faire. Donne-moi deux minutes, je garde avec moi. Hey, j'ai un message pour toi. Rien à voir. Il veut le nom de tes contacts avec ta reine de Sherlock. Il va manger de la marde. Tu seras pas content. Je dirais à ton Roberto, là, d'y penser deux fois avant de se mêler de mes affaires. Capiche? Si tu dis non, là, tu vas sortir d'ici sur une civière avec les deux pieds par en avant. Écoute bien, là. Ce quartier-là, je l'ai bâti à coups de poing et à coups de pied dans le cul. J'ai 65 ans aujourd'hui. Arrête de mettre la pression. Parce que je vais faire un téléphone. Puis si tu sais pas ce que c'est qu'un gars qui a été élevé à coups de batte de baseball, tu perds rien pour l'attendre. Ma réponse est non. T'as passé le message. T'as l'air tellement bon dans ça. Que tu veux faire avec toutes ces informations-là? Gagner un prix Pulitzer? Hey, écoute, j'espère que tu vas avoir la décence de m'en parler avant de publier ça. Pelletier étant dedans, là, je veux pas le voir mourir là. Ça me donnerait quoi de publier ça? Je cherche pas à brûler ton gars. Mais tout ce que je sais, c'est que vous êtes sur une grosse affaire. Un agent double infiltre un chanteur. Il se fait tuer. Un des suspects se retrouve en prison. Oui, il a envoyé un double entre les pattes, probablement pour le faire parler. Non seulement ça, en prison, le double, il se promène avec Roger Perrault, un gars qui a été pris la main dans le sac par un double, probablement Pelletier. Si je gagne pas le Pulitzer avec ça... Avec tout ce que j'ai à faire, c'est d'envoyer un mémo à la direction des communications. Et Bertrand Fournel, il est sur la liste noire. Gilbert, tout ce que je veux, c'est comprendre.
tiens, ton dossier de cours. OK. C'est pas tout. Il y en a un autre. J'ai fouillé partout dans le système. Jimmy Orlina n'existe pas. Les empreintes digitales n'ont pas de correspondance chez nous. J'ai contacté la GRC, la police municipale puis l'FBI. Fouille plus, Tom. Je vais avoir le vrai nom d'Orena sur mon bureau. C'est capital comme information. Lui, s'il faisait pas le métier qu'il fait, il pourrait pas faire autre chose. On a fait le tour des gens qui travaillent pour Bonheur. Tu parles à ce monde-là, tu veux plus ça très bon même pas. Gang de suiveux. Je peux rien dire, je suis pas au courant, je le sais pas, je le connais pas. Le seul à qui on n'a pas parlé, là, c'est Paul Spencer. Spencer, le financier? On oubliait ça, c'est pur comme d'autres sources. Trouvez-moi quelqu'un qui veut parler. Il doit bien avoir un dans la gang que le faux cul contre Boisclair ou Bonheur, ça se peut pas. Voyons. Écoute-moi bien, mon Pierre. Moi, je commencerai pas à prendre la pression artérielle du monde pour savoir si un tel a le faux cul contre un autre. C'est pas ça que je te demande non plus. Mais là, on va nulle part. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Orena s'appelle pas Orena. À part de ça, y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ce que Lombardo fait à Montréal? Ça fait une éternité qu'il se promène partout en ville, il n'a pas un Christ qui se pose de questions. Mais donc, est-ce qu'il a mangé à matin, non, lui? Hey, Fournel commence à comprendre un peu trop à mon goût, là. Coudon, y a-t-il quelqu'un qui va me donner une bonne nouvelle à un moment donné, là? On fait quoi? On brûle? Est-ce qu'il va publier? Non, je pense pas. Bon, ben attends encore un peu. C'est la seule carte qui me reste dans mon jeu. OK. Christ qu'on va nulle part. Pierre, je ne sais pas quelle heure. Des photos de filature. Dan. D'Amato avec Favara. Vastelli. Il y a celle-là aussi. C'est mal compris, M. Favara. Je vous ai remis l'argent. Si Lombardo me pose des questions, je vais être obligée de lui dire la vérité. Vous allez dire quoi au juste? Je vous ai donné les procurations. L'argent vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez décidé de le garder, il faudra en subir les conséquences. Qui vous dit que j'ai gardé cet argent-là? Il y a des choses qui ont changé depuis votre départ, Gabriel. J'ai déplacé les comptes de banque dans des compagnies à numéros qui sont à votre nom. Dans une banque aux îles Caïmans, à 200 000 de votre demeure. Vous avez laissé les comptes à mon nom? Mais qu'est-ce que vous me voulez, au juste? On va aller rencontrer M. Lombardo. On va lui dire que vous m'avez remis les procurations. Oh. J'ai vérifié et les comptes étaient vides. C'est pas de votre faute, c'est pas de la mienne non plus. Vous voulez que je mente à Lombardo pour vous couvrir? Gabriel. Avez-vous le choix? Ah.
Jerry, parle-y. Elle vole les clients des filles. Moi, c'est pas pour moi, c'est pour elle. Ce que tu veux que je fasse? Quand t'es straight, on n'a pas de trouble avec. La minute qu'elle consomme, elle perd le contrôle. Elle envoie chier tout le monde, elle vole les clients des filles. Elle va finir par manger une calice de volée, puis avec vos dards. Je ne sais pas moi, où est là sur René Lévesque? Bouge là, pas de quoi, elle va se faire tuer. All right, relax, je vais pédaler. C'est pas trop, Denise. Tu vas finir par te mettre dans la marde. Faut bien qu'il y en ait une qui le fasse. Eh bien, quoi? Mais c'est pas trop loin. Il y en a qui aimeront pas ça. Drive trop. Denise, je viens d'amener Nancy à l'hôpital Saint-Luc. Elle s'est crinquée, comme au profond. T'es en deuxième cette semaine. Je te dis. Il y a un nouveau vendeur dans le coin. La vraie marde. Je vais aller en voir. Salvin, ton nom? Ouais. Tu travailles un peu par là, ici? Ça te regarde pas. Je vais t'expliquer calmement. Ici, c'était à Perrault. À partir d'aujourd'hui, Perrault, il travaille pour moi. Donc, toi, tu travailles pour moi. À partir d'aujourd'hui, c'est avec lui que tu vas faire. Quatre bières. Faites ça, mais je vois ce dernier. Roger, c'est ici. Gagnon, tu connais-tu bien, toi? François? Ouais. Elle le connaît, oui, mais le connaître, je sais pas. C'est un arc. Pardon? C'est un double. Il a envoyé dans les pattes du pic, il l'a fait parler. T'es sûr de ça? T'as le dit? Ah, faut me chier. Fais rien pour tout de suite. Je m'en occupe. Qu'est-ce qui arrive? Rien. Ça a l'air bizarre. J'ai mal à l'estomac. Ah oui, le soleil, il est beau d'après toi. Ah ouais, quand vous respirez comme il faut, c'est dans ma tête. OK, les boys! Quelle belle surprise! Pense à moi. Sors-moi là si je te tire. Hey, as-tu compris? Oh, la NR, ça va, Joe. Le 7, c'est moi, c'est... Laisse dans ta cour. Viens pas jouer sur mon terrain. Ton belly. Oh, watch out! Però lascia stare. Nice to see you, Gabriella.
I know I haven't called you since your father died, but I... What do you want from me? I understand your father left you with the bank accounts and a proxy of some sort. Yes. You see, your father had a lot of money that belonged to me, but I can't find it. And I think that you're the one who has it. And if you don't, you're gonna tell me what the fuck you did with it. I gave Gino Favara a proxy. But what he wants me to tell you is that he verified and the money was gone. But that's a lie. The money was there, I saw it. Now, what he did with that money, I don't know. But I don't have it, and I'm sure he's the one who does. You saw the money before you gave Favara the proxy. You saw it. Yes. But that's not what you're supposed to tell me. Right. In other words, you gave Favara all that money and he stole it from me. What the hell he did with it, I don't know, but I don't have it. So he's lying to me? I guess, yes. What should I do? Kill him? Is that a real question? It was nice talking to you, Gabriella. Oh, Gabriella. I don't believe a fucking word you just said. What? If all of this was true, you wouldn't tell me about it. Favara would kill you for less than that. I'm going to give you another chance to tell me the truth. Avant, j'étais gelée, puis ça allait bien. Mais la lustrée, c'est bien différent. Si tu veux mon avis, t'es pas faite pour ça. C'est mon trip, puis j'aime ça! Ta main s'est gelée, mais la rue sans d'autres m'a dit une affaire. Ça va te rentrer dedans, pas mal. C'est-tu ce que je trouve le plus tough? C'est que même après la désintox, j'étais encore accrochée. Juste l'odeur du pot puis du hache, ça me passe sur un rail. Ah non, j'étais un alcoolique qui boit pas, mais qui a soif en tabarouette. C'est pire! Hein? Regardons ça. Ben, t'es pas faite pour ça, Denise. La rue, c'est pas ton monde. Calais, c'était pas niaiseux. T'es allé à l'école. Tu consommes plus. Va-t'en. Va ailleurs. Fais quoi? Travailler dans une manufacture de 9 à 5? Ah, ça te fera pas mourir. Non. C'est la meilleure façon de retomber dedans. Laisse faire, mon père. T'as beau tout faire pour aider les filles, il y a toujours un pim et un petit mordeux de pocheur en arrière de toi pour les remettre à leur place. Bon, ben, je fais ce que je peux, t'sais. Ça m'aide à passer au travers. Donne le feeling de faire partie de la gang sans faire partie. Ah, ben, c'est pas pire qu'un gars de la moralité qui passe la moitié de sa vie dans un bar. Ouais, mais pense donc à toi avant de penser aux autres. T'as pas d'affaires là, t'aurais jamais le cœur assez grand pour soulager toute la petite misère du monde. OK? T'as un break dans ta vie. Prends-les. Bella questa, bella. Sulla sponda un po', Vincenzo, sulla sponda. Gabriele. A schiaccia sta palla. Non, merci. T'es la seule personne a qui je peux avoir confiance maintenant. Les temps viennent changer, Gabriele. Je l'ai rencontré. Je pense que ça fait une bonne affaire. J'ai dit la vérité. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que Favara avait gardé l'argent, mais il m'a pas cru.
Il t'a pas cru ou il a fait semblant de pas te croire? Qu'est-ce que tu veux dire? Il veut te confronter à Favara. Un tête-à-tête, c'est son style. C'est la seule façon pour lui de découvrir la vérité. Capiche? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Dire des chapelets, peut-être. Non, non, écoute. Tu t'assois, tu dis la vérité. Après ça, tu prends un taxi, tu te flyes en Afrique en attendant que le premier tue le deuxième. C'est tout. OK? Che succede qua? Partita va bene? Analyse-moi ça, puis dis-moi ce qu'il y a dedans. T'as pris ça? C'est un service que je te demande. Pas obligé d'ouvrir une enquête. OK, OK. C'est juste pour savoir. Écoute, t'as pas l'air affilé, toi? Non, non, ça va. Gabrielle est en ville. Ah ouais? Où est-ce qu'elle va? Je sais pas. C'est pas encore vu. C'est même pas parlé. C'est pour ça que tu es marabout. Pourquoi tu vas pas avoir? J'ai pas changé de numéro de téléphone. Si elle veut m'appeler, elle m'appellera. Orgueilleux. C'est bien tout pareil. Je suis quand même pas de me garocher chez sa mère parce que madame arrive en ville. Tu sais que chez sa mère? Ça doit. Elle a vendu son rondeau. Ouais. Ça te fatigue, hein? Un an sans m'appeler, ça ne devait pas être sérieux, notre affaire. Oui, pourquoi toi, tu ne l'appelles pas? Pas moi qui est parti, c'est elle. Toujours une bonne raison. Oublie pas mon affaire. Rien compte sur moi. Puis si tu parles à François, dis bonjour de ma part. Éligible à une libération conditionnelle. Ça marche pas. Si tu veux que je fasse de l'autre bord, j'ai même pas fini ma sixième année. Non, c'est-tu qu'il y en a pas des gars de l'autre bord qui n'ont pas fait ma sixième année? Rien. Moi, gagnons les toilettes pour une passe. Tout de suite comme ça. Trouve une raison, oui. Ils savent que t'es un double. Ils veulent que je t'amène aux toilettes. C'est lui. Attention.
La gang est en haut. Le grand Marc? Ouais, je vais te voir. Non, non, je suis fatiguée, là. Je m'en vais me coucher. Oh, come on, arrête ça. Viens faire ton tour, t'es pas obligé de rester, là, 5 minutes. Non, je te dis. Prends ça, viens nous rejoindre. Non. T'es rendu plate, ma Denise. Si tu changes d'idée, tu viens nous rejoindre, c'est bon? Ça marche. Je m'excuse, l'autre fois, là, c'est ça, là. Tu sais comment je suis? Je dis souvent n'importe quoi. Viens donc, viens donc! C'est pas grave. Salut! Salut! As-tu la chienne? Non. J'ai dit que le temps que les screws viennent me chercher, je voulais pas trop gros dans mes culottes. Donc? Hey, j'ai mangé le beau goût, arrête, parce que moi, je vais t'affarmer. Tu es un imbécile. Hein? Et toi, qui a pensé à ça, Gagnon? Pensé à quoi? Le sortir de prison. T'aurais-tu aimé mieux te faire tuer? Ça sent bien. Ils vont penser quoi, là? Ils savent que t'es un double. Je disparais, mais je disparais en même temps que toi. C'est pas toutes des caves en bas, là. Ils sont comme toi, je suis pas sûr. Hey, t'étais-tu obligé de me crisser ça dans les jambes, lui? C'est pas du monde, hein? Il a pas arrêté de chialer de la prison jusqu'ici. Ici. Blablabla, c'est des ci, c'est des ça. Il est pire que mon ex. Vous êtes marié longtemps. C'est passé, là. Le pic s'est fait poignarder. Ils ont découvert que j'étais un double. Il a fallu brûler Roger. Le pic est mort? C'est ça qui t'inquiète? Moi, non. Mais attends que tes oreilles l'apprennent, celle-là. C'est que je fais, là? Je rentre chez nous, là? On va aller dans la confesse. On va être tranquille pour une couple de mois. Tu vas commencer par passer la nuit ici, là. Après, son verre. Ouais, puis toi, Gauthier, on avait une entente, là. Si le pic parlait. Ben, c'est ça, il a pas parlé. Moi, si vous me retournez pas dans la rue, je suis fait. Il en est pas question. Faut voir avant. Asti, va donc m'en rappeler. Toi, Roger, là, la petite face d'hypocrite, là, on m'en est coupé de toi. Hey, Roger, Roger, slack, slack, François, slack un peu. François, amène-la en bas, là. Ah ouais. Assieds-toi bien. Si jamais tes horaires bondissent ici, il va falloir être prêt. Bien, la petite poudrée. Écoute-la bien, la petite poudrée. Ta scrap va à vendre ailleurs. Tellement coupé au PCP que t'as failli en tuer une. Il y en a déjà deux dans le coma, là. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux tuer tout le monde? OK, Denis, pas si fort. De quoi tu te mêles, toi? Hein? En tout cas, si tu veux attirer la police, continue, t'es bien parti, bonhomme. Parce que ça sera pas long qu'ils vont arriver. Hey, tu travailles pour qui, toi, Sauvageon? Ah, oh, ben, attends que j'ai dit ce qu'il y a une de ces gars qui coupe sa dent pour s'en mettre plus dans les poches. Bon, pas sûr qu'il va en trouver drôle, moi, pas sûr! C'est bon, man, c'est beau, c'est beau. Regarde pas, je te vois. Ouais. Attends. Qu'est-ce que tu vas aller? C'est bon, c'est bon.
Allô? Hélène, c'est Pierre Gauthier. Allô, Pierre? Je sais que Gabriel est revenu. Ah, d'elle, j'aimerais ça y parler. Elle est sortie pour la soirée. C'est ça. Ça fait dire qu'elle n'est pas là. Je vais lui dire que t'as appelé. Ça marche. Bye. Je veux pas y parler. Je règle l'abattoir, je repars aussi vite que je suis arrivée. OK. Non, moi, Pierre! Mais non, j'attends mon chèque de mes cartes, si je te dis. Comprends-moi ça! T'es straight, t'as jamais d'argent. Mais c'est ça, être straight, Ginette, hein? T'as jamais d'argent, t'es toujours au cartes. Hey! Je m'en payé un point. Hein? Pas tant bon, là, je te demande. OK, 5 minutes. Dénonce, hein? Viens ici. Je te parle, c'est-tu. Je suis allé avec toi, là. Hein? Tu joues à guise-seule, je le fais de doigt, OK? Tu commences pas à éclairer mes vendeurs. Tu comprends, là? Faut te mêler tes crises d'affaires, OK? Je veux pas te voir ici jusqu'à la fin du mois. Je te dis. Ginette!